Allô? Bonjour. Comment ça va? Oui, absolument. Absolument, c'est parti. Alors, est-ce que c'est une façon de raconter une histoire? Oui, forcément, d'un certain côté, parce que je vais toujours être inspiré par un personnage ou par une histoire, par une musique qui m'a provoqué quelque chose. Pour moi, la fin de Rochette, elle est un peu, elle est à la fois assez classique, tout en ayant une vraie part d'originalité, et elle évolue là-dedans, et il y a des moments où elle va être plus ou moins originale, ou plus ou moins classique, plus ou moins sage, ou au contraire, plus ou moins délurée. Et c'est ça qui me plaît, donc elle évolue au fur et à mesure. Moi, je suis quelqu'un qui est très très porté vers le futur. J'aime pas trop regarder le passé. Je peux être très touché par des peintures ou des œuvres classiques, évidemment, qui vont m'inspirer, mais je m'intéresse surtout à tout ce qui est contemporain. Mon processus, il part toujours un peu. Ce que j'aime bien raconter, c'est que c'est un peu comme si je me trouvais face à une scène de théâtre vide, quand il faut que je commence à créer un nouveau projet, une nouvelle collection. Et là, il va y avoir un premier élément qui va arriver, un peu qui va me tomber dessus, que ce soit une musique ou un personnage ou une ambiance ou une image, qui va commencer à planter le décor. Et ensuite, autour de ça, va se construire la globalité, à savoir donc, la lumière, les personnages, les silhouettes. Et le vêtement arrive de manière très naturelle à ce moment-là. L'histoire de Rochas, elle est quand même partie d'une histoire d'amour, d'une histoire entre Marcel et Nel Rochas qui ont construit cette maison ensemble. Donc il faut respecter cet héritage-là en apportant effectivement dans les volumes, dans les matières, quelque chose de couture et de très sophistiqué. Donc oui, ça m'inspire bien sûr. Je dirais théâtralité, mais après j'y travaille beaucoup et c'est quand même un réel objectif. Et cette collection Rochas particulièrement, il y avait une vraie volonté de proposer des pièces à qui soient confortables et qui soient plus facilement portables. Beaucoup de mes collections, il y a des références qui sont précises à des artistes que j'aime et qui m'inspirent. J'adorerais être quelqu'un de littéraire, mais j'avoue que je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est visuel. Et ça me parle beaucoup plus. C'est toujours très compliqué de décrire une collection en un mot, mais pour celle-ci, j'ai essayé au maximum de faire une collection qui soit humble et sincère. Avec grand plaisir. Merci à toi. Au revoir.